cher peuple de Grèce, je vous écris aujourd'hui pour vous informer d'une menace imminente qui pèse sur vos cités. Les Grecs d'Anatolie et moi-même sommes soumis à l'esclavage par les Perses. L'Empire perse se rapproche de vos frontières et il est vital que vous soyez préparés à leur arrivée. Je sais que vous avez eu des divergences par le passé, mais je vous appelle maintenant à vous unir en ces temps difficiles. Athènes, Sparte, Corinthe et Thèbes, vous devez mettre vos différends de côté et vous battre ensemble pour protéger vos cités. Le roi Xerxès et son armée sont redoutables, mais vous n'êtes pas sans défense. Xerxès se prépare au combat et son armée va bientôt traverser le détroit du Bosphore. Thèbes, tu es le plus grand stratège et brillant généraux de notre temps. Sparte, tu as les plus grands et valeureux guerriers. Athènes, tes talents en ingénierie et la sagesse de tes grands hommes font de toi le phare de ce monde. Corinthe, ta flotte connue au-delà de la Grèce et tes brillants amiraux sont inégalés dans le monde connu. Ensemble, vous pouvez vaincre les Perses. Je vous implore de vous préparer pour la bataille qui se profile à la maison. Entraînez vos gardes, rassemblez vos armes et vos boucliers. Il est temps de montrer à l'Empire perse que nous sommes un peuple fort et uni. Votre destin est entre vos mains. Vous ne pouvez pas laisser l'Empire perse vous envahir et vous opprimer. Vous devez vous battre pour votre liberté et votre indépendance. Je vous en prie, répondez à mon appel et unissez vos forces pour sauver vos cités. Avec espoir et détermination, j'en appelle à vous. Si vous lisez ce message, c'est que ma cité est prise. Je compte sur vous.